Pour démarrer votre véhicule, insérez la clé de contact et tournez-la. L'ensemble des voyants s'allume et la ventilation se met en marche. Pour enclencher la marche avant de la voiture, pédale de frein enfoncée, tirez vers l'arrière pour sélectionner la position D. La lettre D s'affiche en haut de votre écran du poste conduite. Pour enclencher le mode B, faites une impulsion supplémentaire. La lettre B s'affiche en haut de votre écran du poste conduite. Ce mode permet d'utiliser le frein du moteur électrique dès que l'on lève le pied de l'accélérateur. Il a pour action de freiner partiellement et progressivement la voiture et permet la récupération d'énergie. Attention, ce mode ne dispense pas d'utiliser la pédale de frein pour effectuer un arrêt complet. Pour enclencher la marche arrière, poussez le sélecteur de vitesse vers l'avant avec la pédale de frein enfoncée. La lettre R s'affiche en haut de votre écran du poste de conduite. Sur votre écran multimédia s'affiche la vue arrière de la caméra de recul, si la voiture en est équipée. La position neutre se sélectionne en effectuant une courte impulsion avec la pédale de frein enfoncée vers l'avant depuis le mode D ou vers l'arrière depuis le mode R. La lettre N s'affiche en haut de votre écran du poste de conduite.